Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, toute petite. voilà, alors aujourd'hui on est quoi? Lundi de Pâques, il fait un temps pourri. Mais j'ai quand même décidé ce matin d'aller un petit peu dans mon jardin. Parce que demain on va aller acheter nos canisses. Les canisses et les brise-vues hein, en bambou. Pour cacher ce foutu poulailler du voisin. Je redis, j'adore les animaux, il n'y a aucun souci, mais je déteste le poulailler de mon voisin. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Vous allez voir. Alors, je me suis pas filmée en train de nettoyer mon parterre, tout ça. Je vous ai filmé. Alors, mon jardin en ce moment. C'est la forêt vierge. Hein. Ben, on est passé l'hiver, hein. Donc on est tous à peu près au même point. Donc, il va y avoir beaucoup de boulot dedans. Mais comme je vous parle souvent de ce poulailler. Je voulais en même temps faire une vidéo et vous montrer ce que je subis avec ce poulailler. Heureusement pour vous, dans la vidéo, vous n'avez pas l'odeur. Donc, dans la vidéo, il vous manque l'odeur. J'ai une sale tête, je sors du jardin et en plus, maintenant, il commence à pleuvoir. Du coup, j'ai dû rentrer. Je ne pouvais pas continuer. Donc, je voulais surtout, c'était ça, vous montrer. Cette verrue qui est juste à côté de mon jardin, mais pour en dire d'être à côté, vous allez voir, elle est vraiment collée à mon jardin. Donc là, bon, c'est pour ça que la vidéo est toute petite. Hein. Vous avez quoi, 4-5 minutes de vidéo seulement. Donc j'ai commencé. Bon, j'ai voulu nettoyer d'abord mon petit parterre qui va me servir, ou là où j'ai mon romarin. J'ai arrosé grimpant. Qui va m'aider aussi à cacher, qui va m'aider aussi à cacher ce poulailler, qui me donnera un peu une meilleure odeur. En plus dans ce petit parterre, bon, malheureusement j'ai vu que mon thym était mort, donc j'arrive pas à garder pied de thym. Je sais pas pourquoi, mais bon, d'habitude j'avais des gros pieds de thym, mais là en ce moment pas moyen. Bon, ça y en remettra un. Par contre, ma ciboulette est bien poussée, elle est comme ça. Tant mieux. Donc ce petit parterre va me resservir à remettre les pieds de fraises que mon fils m'a redonné. Après, vous voyez à côté, il y a mon parterre de fraises. Bon, lui, j'ai pas eu le temps de le nettoyer aujourd'hui. Bon, ce sera fait dans la semaine. Et après, il y a mon parterre fleuri, où lui, il a beaucoup de boulot à faire. Je l'ai commencé. Et vous verrez que le long du poulailler, il y a la paille du poulailler qui vient dans mon jardin. Et vous verrez, il y a un petit tas de paille que j'avais commencé à faire. En tout, j'avais un grand seau, ouais, comme ça, des seaux de 20 litres, je crois, je ne sais plus. J'ai retiré, donc, dans mon parterre, 2,5 seaux de paille du poulailler dans mon parterre de fleurs. Les boules. En plus, alors je n'aime pas faire de mal aux animaux. Je précise. Bon, je pense pas que je lui ai fait de mal, malgré qu'il a crié caïque. J'en suis vraiment m'énervée. Il y avait une poule, c'est la poule ou le coq, je ne sais plus. Comme j'ai enlevé la paille. Du coup, il arrivait à passer sa tête, la moitié du corps, pendant que j'étais en train de nettoyer. Je n'ai pas. Allez hop, je passe en dessous. J'ai lancé le seau. Je suis désolée, mais je crois qu'il ne reviendra plus là. Alors du coup, j'ai remis un peu de fleurs à l'envers devant pour plus qu'il y passe. Que je dis, ben, si lui ou elle, parce que j'ai pas fait attention si c'était le coq ou la poule, arrive à passer, les canards vont savoir passer, donc je vais les retrouver dans mon jardin.
Mais non, bon, je crois pas que je lui ai fait mal parce que Sceaux est... il a surtout eu peur, ou elle, eu peur parce que le Sceau est parti, mais dans le grillage. Toute façon, je n'aurais pas su l'attraper, hein. Il était à ras du sol. Donc, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais alors, pendant que je nettoyais le parterre, j'avais l'odeur, mais l'odeur, oh purée, de toute façon, vous verrez. En plus, vous allez voir dans quoi vivent ces poules, ces canards et ce coq. Alors, les oies, je ne sais plus. Alors, je ne sais pas s'il a encore ses oies parce que je ne les ai pas vues. Mais c'est une. Oh, c'est une horreur. Ça pue, c'est sale, c'est. Oh là 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 là. On verra déjà quand on voit le monsieur, des fois quand je le vois avec son masque. Je dis putain, le masque, il ne l'a pas enlevé depuis 15 jours. Oh là là. Donc là, demain, on va aller chercher les canisses. Et je dis à mon mari, quand j'ai vu cette poule qui passait après, en dessous, j'ai dit, ouais, on va mettre des canisses. Mais les canisses, bon, c'est quand même assez fragile. Ouais, ils vont aller picorer le canis. Donc on va mettre. Alors je vais voir si je achète des bordures toutes faites en bois ou si je vais les faire moi-même. Je vais acheter des longues planches de coffrage ou des choses comme ça. Et puis des pics en inox. Je crois que c'est l'inox qui ne rouille pas dans la terre. S'il y a quelqu'un qui le sait, je sais qu'il y a des messieurs qui regardent ma vidéo ou les dames, si vous pouvez demander à vos messieurs. Je crois que l'inox ne rouille pas dans la terre. Je ne sais plus. Je vais me faire des planches, mais pour piquer dans la terre avant de mettre mes canisses, pour pas qu'ils aillent picorer mes canisses. Je n'en peux plus de ce poulailler. Pourtant, bon, ça, il est gentil, hein, ce monsieur, il est pas méchant, hein, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et là, donc après, quand j'aurai mis mon canis, mes planches et mon canis, je pourrai planter mon sapin, mon genêt, bien refermé par terre. Pardon. Et je vais essayer de mettre encore des plantes qui vont prendre de la place pour que je ne vois plus ça. Alors, la vidéo n'est pas longue, mais elle vous en dira beaucoup. Alors, vous verrez aussi que maintenant, au fond de son jardin, il a démonté le mur. Chose que je crois qu'on n'a pas le droit de faire. Mais bon, il fait ce qu'il veut, hein. C'est son problème. On est en bailleur social, hein, là. Et bon, il fait ce qu'il veut. Il a démonté le mur. Il a fait un portail qui tient avec des briques et des brocs. Donc, j'espère qu'un jour, mon poteau à moi, il ne va pas se barrer. Parce que là, ça va barder. Et il a rentré sa voiture dans le jardin. Donc ça aussi, c'est joli. Donc il y a des roues, il y a des pneus, il y a des roues, il y a la voiture dans son jardin. C'est joli, ça fait beau. Et j'ai vu aussi, alors je crois que je voulais filmer, au-dessus de son poulailler, il a mis des tôles comme ça, avec des roues dessus. Donc là, j'ai dit à mon chouchou, j'ai le premier gros coup de vent, ça arrive dans notre jardin. Mais là, en bas, il y a toutes mes fleurs. Donc là, ça va gueuler. Là, je ne serai plus aussi patiente parce que la dernière fois qu'il y a eu le gros coup de vent, les tôles sont déjà venues dans mon jardin. Il m'a cassé deux nains de jardin, bon, qui m'a repayé, je vous avais expliqué. Bon, très bien. Mais là, s'il me pète mes plantes, si c'est tout ça en bric-à-brac tombe dans mon jardin et qui me pète mes plantes, là, ça va gueuler. Là, ça va gueuler. Parce que mes plantes, ça, j'y tiens. Ça fait 2 ans que j'ai un cerisier japonais, donc il commence à bien pousser. J'ai pas mal de plantes qui commencent à bien pousser. Ça fait 2 ans qu'ils sont en terre. Là, s'ils me les cassent, je vais mettre mes gants de boxe. Ah ouais. Non, mais vous allez voir par vous-même. La vidéo est courte, mais très explicite. Voilà. J'attends vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Et si vous seriez heureux d'avoir un tel voisin près de votre jardin, enfin près, collé à votre jardin.
Voilà, là je vous dis, dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais imaginez. Allez, je vous laisse regarder cette mini vidéo. Bon, du coup, elle va durer plus de 3 minutes, hein, puisque j'ai papoté pendant 10 minutes. Alors, je vous ai enlevé le son de ce que j'ai filmé au journal parce qu'il y avait du vent. Donc, c'était un peu gênant. Donc, je vous ai mis un tout petit peu de musique pour éviter le vent dans la vidéo. Donc, j'ai enlevé le son. Pardon. Je ne sais pas, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. C'est plus agréable. Il faut quand même quelque chose d'agréable dans cette vidéo, voyons. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de ce jardin. Je vous montre, je vous referai des vidéos avec le montage des planches, des caniches, tout ça. Je vous montrerai ce que j'aurais fait dans le jardin, si ça vous intéresse, bien sûr. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.